Excusez-moi. Quoi? Bonjour. C'est bien ici la ferme des tourniquets? Bah oui, c'est là. Ouais. Vous êtes la nouvelle infirmière? Oui. Ouais, ça me reprend la sécu. Ma femme est là-bas. Merci. Ouais. Je m'en ferais bien porter pas, moi. C'est un gros chantier. Oh là. Vous venez pour ma piqûre? Non. Bonjour, je suis Gladys Dupré, avocate. J'aimerais vous parler de votre fille, Lydie. Parce que moi aussi, j'ai envie de connaître la vérité. Quelle vérité? Eh bien, je suis convaincue qu'elle ne s'est pas suicidée. Je crois qu'elle a été assassinée. On peut se parler un moment? Asseyez-vous. Ça va, Rose? T'es sûre que tu te sens bien? Bah oui, pourquoi? Bah, je sais pas, moi, le jour où tu m'entendras chanter en travaillant, faudra t'inquiéter. T'as pas un peu forci? Non, mais attends, l'arrêt du célibat, c'est comme arrêter de fumer. Au début, ça fait grossir. Ouais. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Maître Zelder. Zelder, lequel? Oh, je suis con, il n'y en a plus qu'un. Excusez-moi, installez-vous. Ça ne sera pas trop long. Je... Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Plus personne ne m'en parle, lui. Même pas mon mari. Il se trouve que j'ai une amie qui a disparu dans les mêmes conditions que votre fille. Elle s'est suicidée? C'est ce que tout le monde dit, mais moi, je suis comme vous. Hein. Merci. J'arrive pas à y croire. Vous verrez, vous finirez par l'accepter. Affaire Lydie Tourniquet, la mère réfute formellement la thèse du suicide. Cri d'alerte désespéré d'une mère, l'assassin de ma fille court toujours. Vous avez même fait une grève de la faim pour crier votre révolte, alors ne me dites pas ça. Vous verrez, vous finirez par accepter. Vous pouvez me raconter ce qui est arrivé à Lydie? Elle venait d'avoir 20 ans. Elle faisait encore une gamine. Elle était en BTS de coiffure. Et ce samedi-là, comme d'habitude, elle est sortie avec des amis, mais le soir-là, elle n'est pas rentrée. Et vous avez prévenu la police tout de suite? Les gendarmes nous ont ri au nez, ils nous ont dit que s'ils devaient lancer des recherches à chaque fois qu'une jeune fille découchait un samedi soir... Et après, ils ont parlé d'une fugue. Une fugue, Lydie. Elle était majeure, on la séquestrait pas. Pourquoi elle aurait fugué? Puis c'était pas le genre de jeune fille à fuguer. 3 semaines plus tard, on l'a retrouvée à 2 kilomètres d'ici, dans un étang. Il paraît qu'elle avait pris des somnifères. Les gendarmes ont dit qu'il n'y avait pas de traces de viol, mais après 3 semaines dans l'eau, ils ont pas voulu que je reconnaisse le corps. Ils ont affirmé qu'elle s'était suicidée. Mais vous, vous n'y croyez toujours pas, c'est ça? Je sais pas. Je sais plus. Regardez la photo, là. Elle était prise le jour de ses 20 ans. Avec sous le visage d'une jeune fille qui va se suicider, 3 semaines plus tard. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute, monsieur de Thieu. Et voilà, maître. J'ai tué ma femme. Cabinet d'Adair Carvani, bonjour. Vous voulez un café? Ah, non, non. Jamais de café après 10 heures, ça m'empêche de dormir. Je vous en prie. Merci. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que j'avais tué ma femme. Oui. Et tué, vous voulez dire assassiné? Homicide volontaire, c'est bien ça, mais sans préméditation.
Bien. Racontez-moi ça. Bah, écoutez, c'est très simple. Je lui ai rendu visite à l'hôpital. C'était lundi dernier. Alors ça, je me souviens, parce que le lundi, c'est le jour où je déjeune avec ma mère. Alors... Mm-hmm. Enfin bref, j'arrive. Elle dormait. Comme votre mère? Non, ma femme. Elle était allongée sur le lit. Elle respirait tout à fait normalement, d'ailleurs. Hein. Alors, du coup, moi, je suis resté là à la regarder pendant quelques minutes parce qu'elle dormait si paisiblement, si sereinement. J'ai pas osé la réveiller, vous comprenez? Oui, bien sûr. Puis après, j'ai dû m'assoupir un moment parce que ben, j'ai entendu comme une voix. Une voix? Une voix, oui, enfin, une voix intérieure. Hein. Un peu comme Jeanne d'Arc, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce que vous a dit cette voix? Ah bah alors au début, je n'ai rien compris. Et puis après, ça m'a paru clair, mais évident, limpide. Il fallait que je mette fin à la vie d'Henriette. Votre mère? Ma femme. Oh, Henriette, c'est ma femme. Enfin, c'était ma femme. Ah, je vois. Et comment vous y êtes pris? Oh bah ça a été simple. Il y avait un goutte à goutte de morphine pour l'empêcher de souffrir, vous comprenez? Alors moi, il a suffi que j'ouvre un petit peu le robinet. Hein. Et puis voilà, en quelques minutes, ça y était. Hein. Si votre femme souffrait d'une maladie incurable, vous voulez qu'on plaide l'euthanasie? Non, pas du tout. Ma femme venait de se faire opérer de l'appendicite. Donc, pas de café? Non, pas de café. Oh, vous auriez une tisane? Madame Mercier, vous êtes employée comme caissière au cinéma Le Royal à Montreuil, c'est bien ça? Oui, monsieur le juge. C'est un cinéma de quartier, monsieur le président. Madame Mercier fait aussi office d'ouvreuse. En plus des billets, elle vend des pop-corns, des crèmes glacées. Cette précision me paraît importante pour souligner le fait que ma cliente a de multiples attributions, mal définies, et qu'il n'est stipulé nulle part sur son contrat de travail qu'elle a la responsabilité d'ouvrir les portes du cinéma en entrant et de les refermer le soir en partant. En tant qu'unique employée, on voit mal comment votre cliente pourrait aller travailler dans cet établissement sans en ouvrir la porte au préalable. Certes. Les passe-murailles n'existent qu'au cinéma. Bon. Le 13 février, donc, un incendie s'est déclaré dans le cinéma Le Royal. Plusieurs adolescents qui assistaient à la séance ont été plus ou moins gravement intoxiqués. Et la malheureuse Linda da Silva, 19 ans, est décédée. Cette tragédie a profondément affecté ma cliente. Mais comme vous le savez, monsieur le président, c'est le destin, fatum en latin, qui est le ressort même de la tragédie. Il est des fatalités qui nous entraînent malgré nous. Je vois que vous connaissez vos classiques, maître. Mais malheureusement pour votre cliente, le décès de cette jeune fille ne semble pas pouvoir être imputé uniquement à la fatalité. Lorsque l'incendie s'est déclaré, ma cliente a fait preuve d'un grand sang-froid, orientant tous les spectateurs vers la sortie principale. Une seule victime. Personne ne me contredira, c'est une de trop. Mais la jeune Linda da Silva s'est retrouvée prisonnière des flammes. Non pas parce qu'elle était dans la salle, mais aux toilettes. Les pompiers l'ont retrouvée morte, asphyxiée, près de la sortie de secours. Une sortie de secours qui, hélas pour elle, était fermée par un cadenas. Dans sa lutte acharnée, et forcément vaine, elle s'en est arrachée les ongles dans les interstices de la porte blindée. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Non, maître Dupré n'est pas là aujourd'hui, mais je peux lui transmettre le message. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement, monsieur de Thiot? Je suis résolu à me livrer à la police. Je ne peux plus vivre avec ce crime sur la conscience. Seulement auparavant, je voudrais être sûr de bien être défendu. Je comprends vos scrupules, mais en tant qu'avocat, mon devoir est de vous alerter sur les conséquences de votre décision. Vous savez, chaque année, dans mon cabinet, je vois défiler beaucoup d'hommes qui auraient rêvé de pouvoir supprimer leur femme sans être inquiétés. Ah oui, mais moi, j'aimais ma femme. Hein. Bon, j'ai peur que ça recommence. Vous vous rendez compte? Si cette voix me commandait de tuer à nouveau? N'importe qui. Ma mère. Ou même vous, par exemple. J'ai besoin qu'on m'aide, maître. Une courageuse décision. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, quand vous le souhaiterez, vous vous rendrez dans un commissariat pour y faire une déposition spontanée et vous constituer prisonnier. Ensuite, c'est le juge qui décidera de vous mettre ou non en détention provisoire. Parfait. La valise est déjà prête. Ah oui, c'est... Oui? C'est bon. Ah. Voilà, maintenant vous avez ma carte de visite. Appelez-moi dès qu'on vous signifiera votre garde à vue. Vous pouvez encore changer d'avis, vous savez. Oh, c'est tout réfléchi, maître. Merci d'avoir accepté de me défendre. Hein? Et à tout bientôt. Tenez ça. Allez, à bientôt. Oui. Bonjour. Ah, bravo.
Bonjour. J'espère que t'as un mot d'excuse parce que le beau Serge, il commence à l'avoir ras-le-cul de tes absences à répétition en réunion. Puis moi aussi un petit peu. Je suis partie faire un tour à la campagne, j'avais besoin de prendre l'air. Mais tu devrais t'aérer toi aussi, t'es un petit peu palichon en ce moment, non? Tu trouves? Ouais. Cabine des Alders et Carvani, j'écoute. Ah! J'avais une de ces soifs. Vous m'avez fait aucun commentaire sur le dossier Estrada. Qu'est-ce que je vous dise? Vous avez perdu, vous avez perdu. Ça peut m'arriver, moi aussi. Je suis sûr que vous m'en voulez. Mais non, pas du tout. Si, vous m'en voulez. Non, c'est à moi que j'en veux. J'aurais jamais dû vous confier ce genre de dossier. Ce litige entre top modèles, c'était pas pour vous, c'était pour Emmanuel. Emmanuel? N'importe quoi. Emmanuel, c'est la nullité même. Ces plaidoiries, ça tient en deux points cruciaux, relever sa robe et dandiner du cul. Eh ben, c'est ce que je vous disais, ce dossier n'était pas pour vous. Non mais franchement, vous croyez vraiment à la pertinence de l'argumentation de cette fille? Vous avez raison, les atouts d'Emmanuel se trouvent ailleurs. Ouais. Emmanuel, ben, avec un an pareil, elle aurait mieux fait de faire du cinéma de genre. À propos de cinéma, ça vous dirait qu'on se fasse une petite toile, tous les deux? Ah ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le plan de l'invitation au cinéma pour me draguer. Croyez-moi, un bon divorce, ça vous rajeunit de 20 ans, regardez-moi. J'ai pas l'air d'un gamin. Maintenant, si vous voulez passer directement dans le lit, sans passer par la case cinéma, moi j'ai rien contre. Hein. Vous voulez voir quoi comme film? N'importe quoi, mais quelque chose de rare, comme vous. Alors, Moskawa de Piotr Zarevitch, ça vous dirait? Je me réjouis d'avance. Ok. Ma cliente est évidemment très affectée par ce qui est arrivé à cette jeune fille. Mais l'instruction a révélé que l'incendie s'est déclaré suite à un mégot de cigarette mal éteint. Quelqu'un a bravé l'interdiction de fumer, enfreignant à la fois la loi Evin et les consignes de sécurité inhérentes au lieu. C'est ce quelqu'un qui devrait aujourd'hui répondre de ses actes. En aucun cas ma cliente. Madame Mercier avait la charge, au moins implicite, d'ouvrir les portes du cinéma chaque jour à son arrivée. En laissant fermer cette issue de secours, elle porte une lourde responsabilité dans les conséquences dramatiques de ce sinistre. Un simple oubli, monsieur le président. Ma cliente a presque atteint l'âge de la retraite. Ne vous est-il jamais arrivé d'oublier vos clés sur votre porte? De verrouiller votre voiture ou même de laisser une lampe brûler? Oui, monsieur le président. Ma cliente admet avoir commis une négligence. Mais cette simple négligence suffit-elle à justifier qu'elle soit aujourd'hui assise comme une délinquante sur le banc des prévenus? On t'a attendu à la réunion ce matin. Bonjour quand même. Tu aurais au moins pu prévenir. Je suis contente de savoir à quel point je t'ai manqué. Je peux savoir où tu étais? Non. Bon, écoute, Gladys, je comprends que la disparition de Claire te perturbe, mais j'aimerais que tu te mettes une fois pour toutes dans la tête que l'enquête a conclu à un suicide. T'es censé me rassurer? On côtoie quelqu'un pendant des années, on a l'impression de le connaître. Puis un jour, on apprend qu'il s'est jeté dans un étang pour être barbiturique. Si tu te remettais sérieusement à ton boulot, ça te libérerait toute cette histoire. Ouais. Tu trouves pas qu'il en fait un peu trop, là? Moi, j'avais jamais remarqué que vous étiez liés à ce point-là, Claire et toi. Moi non plus. D'accord. On se voit ce soir? Non, ce soir, je peux pas. J'ai un dîner avec des clients. Enfin, des clients potentiels. Demain, si tu veux. D'accord. Madame Mercier, vous travaillez au cinéma Le Royal depuis plus de 20 ans, je crois. 26 ans. Est-il exact que depuis environ un an, de jeunes spectateurs entraient régulièrement sans payer dans votre cinéma, en passant par la sortie de secours? C'est hélas une pratique courante dans la plupart des cinémas de quartier. Le Royal ne faisait pas exception, j'imagine. J'aimerais néanmoins que le témoin réponde directement à ma question. Oui, c'est arrivé. Une ou deux fois. Une ou deux fois. Apparemment, il s'agissait d'une fraude suffisamment systématique pour qu'elle ait fait l'objet d'une plainte déposée au commissariat quelques mois avant l'incendie. Plainte dont j'ai ici une copie. Monsieur le Président, puis-je demander à mon confrère où il veut en venir? Nous ne faisons pas ici le procès de quelques jeunes resquilleurs. J'en viens à ceci, cher maître. Votre cliente prétend avoir oublié de décadenasser l'issue de secours de ces cinémas précisément le jour de l'incendie. En somme, il s'agirait d'un malencontreux concours de circonstances. La faute n'a pas de chance, quoi. Dit en d'autres termes, c'est effectivement notre version des faits. Permettez-moi de vous en proposer une autre. Nous sommes d'avis que Madame Mercier
depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Laissait délibérément fermer cette issue de secours afin d'empêcher l'intrusion des jeunes resquilleurs dont nous venons de parler. Il ne s'agirait plus dès lors d'une simple négligence, mais d'une mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Je dois être franche avec vous, Madame Mercier. Je crois pas à votre histoire, dire la thèse de l'étourderie. Ce que je crois n'a d'ailleurs aucune importance, mais moi, si j'y crois pas, je vois pas comment d'autres pourraient y croire, vous comprenez? Vous avez votre vanille à ondes dans votre sac? Non, laissez tomber, c'est pas du tout la même tête. Qu'est-ce qu'on disait? Que vous aviez du mal à me croire. Ah oui. Attention, je vous demande pas d'assumer la responsabilité d'un homicide involontaire. Vous auriez pu recevoir des ordres. Après tout, vous n'êtes qu'une simple employée dans le cinéma. Votre salaire dépend même pas du chiffre d'affaires. Par contre, vous avez un patron qui, lui, devait pas être ravi de voir les bénéfices diminuer à cause des resquilleurs. Ah non, ça, le patron, il était pas ravi. Votre patron, M. Shapira, sera entendu demain comme témoin. Vous avez toute la nuit pour réfléchir à une version à la fois crédible et qui vous innocente autant que possible. Il faut que quelqu'un paie, Madame Mercier. Et mon travail est de faire en sorte que ce soit pas vous. Vous me demandez de mentir? Il y a souvent plusieurs façons d'envisager une même vérité. Mon rôle est de vous aiguiller vers celle qui sera la plus efficace pour votre défense. Vous voulez pas aller en prison? Ah non. Alors faites comprendre que vous répondiez à des ordres, sans impliquer directement votre patron. De toute façon, je serai derrière vous. Je sais faire ça à la perfection. Au revoir. Hey, ça vous plaît de venir foutre la merde dans la vie des gens? Le suicide de ma fille! Ma femme l'avait presque accepté, vous nous débarquez, puis vous lui annoncez que c'est un sadique qui l'a tué? Calmez-vous, c'était une hypothèse. Mais vos hypothèses, vous pouvez vous les foutre dans le cul! Mais vous vous prenez pour qui vous débarquez comme ça chez les gens? Qu'est-ce que vous connaissiez de ma fille? Est-ce que ma femme vous a dit qu'elle était presque anorexique? Que quand elle est morte, elle pesait à peine 38 kilos à 20 ans? Non, elle m'a pas dit ça. Alors vous lui foutez la paix! La pauvre! Oh, toi, ta gueule, tu t'avoues! Pardon? Ta gueule! Ça va? Ouais, ça va. Qui c'est ce type? Tu veux porter plainte? Non, non, ça va. Tu as peut-être raison, Serge. Puis ce mec aussi. Faut laisser les morts où ils sont. Tu sais bien, les gens, ils sont que de passage. On regrette toujours trop tard de ne pas leur avoir dit qu'on les aimait. Il s'est pas passé un seul jour sans que je dise à Claire qu'elle était moche, conne, coincée. C'est ta façon à toi de dire aux gens que tu les apprécies. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Elle était super coincée. La salope. Ou la salope. T'as vu ce que j'ai vu? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 5h du matin, complètement à poil, devant la porte d'une chambre d'hôtel à Bangkok. Et alors moi, j'étais supposé être à Zurich, en train de signer un gros contrat. Alors vous comprenez, dans ce cas-là, hein, on peut avoir besoin d'un bon avocat. Eh, c'était un bon coup, moi. Penses-tu? Eh, elle avait ses règles. 6 mois après, je divorçais. Dites-moi, mademoiselle, comment vous seriez prise, vous, pour me sortir de là, hein? Je m'arrange pour ne jamais prendre de rendez-vous quand je suis indisposée. J'aurais fait en sorte que votre pension alimentaire vous coûte le moins cher possible. Ce que votre femme a réussi à vous extorquer est proprement aberrant. Mais une révision est toujours possible, vous savez. Maintenant, j'aurais certainement pas pu vous éviter le divorce. J'aime beaucoup les femmes qui ont du répondant. Elle me plaît. On va travailler ensemble. Allez, santé! C'était tout de même très turkménistanais comme film. Hein. C'est pas le genre de cinéma que je veux voir d'habitude. Et alors, la fin, j'ai rien compris. Hein. C'est peut-être parce que vous êtes endormi juste après le début. Bah, vous savez, j'ai bien fait. Je suis en pleine forme maintenant. Et vous? Non, moi, je tombe de sommeil. Il y a deux avocats dans un même lit, ça peut faire n'importe quoi, même dormir. Mais avec la position allongée en tête, vous. Je suis allongée à quatre pattes debout, tout me va, moi. Je vous rappelle que je suis encore une femme mariée. Est-ce que vous êtes psychorigide? Vous sont passés les années 70, hein? Pourquoi vous luttez? Je suis l'homme de votre vie, alors acceptez-le. Écoutez, Robert, il y a encore un an, l'homme de ma vie s'appelait Patrick. Et les contes de fées, on les vit qu'une fois. Et vous, vous arrivez au moment où la princesse s'apprête à divorcer du prince charmant, alors forcément, c'est beaucoup moins romantique. Mais
Qu'est-ce que vous me chantez là avec vos idées de princesse? Vous voyez, une preuve de plus qu'on n'a rien à faire ensemble. Et puis vous n'avez même pas de cheval. Comment ça, j'ai pas de cheval? Regardez, il est beau ce cheval. Allez, bonne nuit, Robert. Bonne nuit. Je te parle de ce dîner avec tes clients potentiels. Je t'ai vu monter dans le taxi avec Emmanuel. En plus, tu lui as ouvert la portière. Tu m'ouvres la portière à moi? Bon, alors tu veux qu'on discute de ça dans le hall et qu'on réveille tout l'immeuble? Je m'en fous, je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi ici! Bon, écoute, j'ai été parfaitement clair avec toi sur les raisons qui m'ont poussé à recruter Emmanuel. C'est vrai, elle m'a escorté ce soir. D'ailleurs, elle a parfaitement joué son rôle, parce que je viens de gagner deux nouveaux clients. Deux espèces d'abrutis, sans classe ni éducation, grossiers, vulgaires, mais plein aux as. Il n'y a que le fric qui t'intéresse ou quoi? Et pourquoi je pouvais pas faire une bonne escort girl moi aussi? Tu me trouves pas assez sexy, c'est ça? Non mais toi, tu vaux beaucoup mieux que ça. D'ailleurs, je te ferai remarquer que je suis pas rentré avec elle. Oui, bah c'est pour ça que je t'ai pas encore arraché les yeux. Bonsoir, maître. Bonsoir. C'est tes voisins? Pour vous, monsieur de Thion. Vous êtes libre. Comment ça, libre? J'ai tué ma femme, je leur ai tout avoué. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Bon, allez, dégagez de là, on vous dit. Allez. Alors, c'est ça. Vous arrêtez les voleurs de mobilettes et les assassins, vous les remettez en liberté. Non, non, elle est belle, la police, hein, bravo. Mais casse-toi, parce qu'on t'a dit de te casser, casse-toi. D'accord. Il est bien d'expliquer que je suis un assassin, parce que moi, je ne parle pas. Calmez-vous, calmez-vous. Ça doit être un malentendu, je vois. C'est bien, parce que je... Vraiment, la tête. Calmez-vous. Ouais, mais qui rentre chez lui? Oh, il comprend rien. Il veut parler. Bon, on a vérifié ses déclarations. Aucun meurtre n'a été commis dans cette clinique. Et quoi, sa femme n'est pas morte? Si, là-dessus au moins, il ne nous a pas raconté de salade. Mais elle est morte d'un arrêt cardiaque, pas d'une surdose de morphine comme il le prétend. La clinique Sainte-Madeleine nous l'a confirmé, certificat de décès à l'appui. Ils en êtes sûrs de ça? Écoutez, maître, vous êtes gentil, mais d'habitude, vos collègues font des pieds et des mains pour tirer leurs clients d'ici, pas pour les empêcher d'en sortir. Ouais, merci. Remarquez, si vous le voulez, on peut le boucler pour dénonciation de crime imaginaire. Ça lui apprendrait à nous faire perdre notre temps. Mais bon, on a des clients beaucoup plus sérieux, croyez-moi, et puis les prisons sont surchargées. Alors vous êtes sympa, vous emmenez votre zigoto, et s'il ne veut pas rentrer chez lui, vous le déposez au passage à l'hôpital psychiatrique, d'accord? Bonne journée. Ouais, au revoir, merci de votre collaboration. Mais je ne comprends pas. Ma femme est bien morte, non? Et on me reprend d'une simple appendicite. Un accident cardiaque. Oui, non, mais c'est vrai. C'est ce que la clinique m'a raconté au début pour expliquer son décès. Alors, dans un premier temps, j'ai accepté parce que c'est mieux santé. Mais ma femme n'a jamais eu de problème cardiaque. Enfin, elle a quand même subi une anesthésie générale. Vous savez, il arrive parfois que des gens bien portants succombent à un infarctus. Mais je me dis que c'est moi qui l'ai tué! Malheureusement pour vous, dans le système judiciaire français, l'aveu ne constitue pas une preuve. Hein, aussi bizarre que ça vous paraisse, il suffit pas de prétendre qu'on est un assassin pour aller en prison. Encore faut-il le prouver. C'est bien pour ça que je suis venu vous voir. Vous êtes avocat, vous allez m'aider. En admettant que vous l'ayez assassiné, pour quelle raison la clinique couvrirait un crime dont elle n'est pas responsable? Alors ça, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Vous avez dit que vous aviez... supprimer votre femme en augmentant sa dose de morphine? Ouais. Putain, c'est pas vrai.
Ouais, pour être sûr d'arriver à un tel résultat, il faut au moins, je sais pas moi, être infirmier. Hein? Vous avez pu rater votre coup. Ah non, mais ça c'est une hypothèse que je veux bien admettre. Et alors vous croyez que je vais continuer à vivre comme ça, dans une telle incertitude? Moi, si j'ai tué ma femme, je veux payer. C'est facile à comprendre ça, non? Écoutez, monsieur Lutio, pour vous parler franchement, je crois que c'est pas d'un avocat dont vous avez besoin. Oui, non, non, mais je sais ce que vous pensez, monsieur Zelder. Mais je ne suis pas fou, ma femme n'est pas morte d'un arrêt cardiaque. Je suis obligé de conclure cet entretien, un rendez-vous et je suis en retard. C'est moi qui vous rappelle, hein. Oh, mais quoi encore? Vous pouvez me déposer? Vous allez dans quelle direction? Eh ben moi par là, allez, au revoir. Salut. Tu m'as fait peur. C'était pas mon intention, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je passais dans le coin là. Ouais c'est ça, tu sais bien j'ai jamais cru au hasard. Je voulais te voir, enfin, je voulais te parler. C'est pas parce qu'on vit plus ensemble qu'on peut pas se parler, non? On peut pas tirer un trait comme ça sur le passé. Bah tu vois bien que là c'est pas le moment, je m'en vais. Tiens, je t'ai aperçu hier. Hier? Ouais, tu sortais d'un cinéma. Et alors? C'était bien. Quoi? Bah le film. Patrick, je vais au cinéma avec qui je veux, j'ai pas de contrat de rente, d'accord? Pas la peine de s'énerver, hein. Je m'énerve pas! Faut que j'y aille. Pas de problème. On se rappelle? Ah, oui. T'oublieras pas de faire le bureau d'NBN après. Bien, madame. Ouais. Voilà, j'ai toutes vos photocopies. Tous les cas de noyade concernant les jeunes filles durant les 5 dernières années. C'est vraiment déprimant. Moi, je pensais que les gens se noyaient à la mer, en vacances. Eh ben, c'est incroyable, le nombre de noyés dans Paris intramuros. Ça donne vraiment pas envie d'aller se balader sur les quais. On remarque qu'il y en a même une qui a réussi à se noyer dans la fontaine Saint-Michel. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, d'accord. Ça m'a pris toute une semaine à réunir tout ça, là. Mais bon, faut bien justifier mon salaire, hein. Monsieur Chapira, vous êtes le gérant du cinéma Le Royal à Montreuil, c'est bien ça? Oui, monsieur le président. Monsieur Chapira, l'instruction a dégagé votre responsabilité dans les conséquences dramatiques de cet incendie. C'est pourquoi vous êtes ici en qualité de témoin et c'est à ce titre que vous allez être interrogé. Maître de Bigleg, vous pouvez poser vos questions. Monsieur Chapira, vous êtes non seulement gérant mais aussi propriétaire du cinéma qui a brûlé, n'est-ce pas? C'est vrai. Est-il exact que depuis quelques années, votre établissement connaissait de graves difficultés financières? Oh, grave, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais depuis l'avènement des grands multiplexes, les petits cinémas de quartier ont du mal à s'en sortir, c'est vrai. Tout de même, vous avez dû licencier une ouvreuse l'année dernière, et vous avez même évoqué devant Madame Mercier l'éventualité de fermer votre cinéma si vous n'arriviez pas à redresser vos comptes assez rapidement. Alors, maître, où voulez-vous en venir avec ces questions? J'y viens, monsieur le président. Il a été évoqué hier la possibilité que ma cliente ait pu volontairement laisser fermer cette issue de secours pour empêcher les resquilleurs d'entrer sans payer. Mais après tout, ma cliente n'était qu'une simple employée dans ce cinéma. Vous, monsieur Chapira, en revanche, en tant que patron, vous aviez tout intérêt à mettre fin à ces agissements qui ne faisaient qu'aggraver la situation financière déjà désastreuse de votre établissement. Mais je n'ai jamais donné l'ordre à madame Mercier de laisser cette sortie de secours fermée. Formellement, sans doute. Ce n'est pas le genre de consigne que l'on couche par écrit. Et la plupart du temps, les ordres d'un patron donnés à une employée ne souffre pas de discussion, même donnée oralement. Parfois même, une simple remarque suffit. Monsieur le Président, je suis profondément affecté par la mort de ces jeunes filles, croyez-moi, mais je jure à cette barre n'avoir jamais donné la moindre consigne pour bloquer les issues de secours. Je mets au défi Madame Mercier de m'affirmer le contraire en me regardant droit dans les yeux. Votre cliente, maître, n'a pas l'air très sûre d'elle sur ce point. Mais je poursuis néanmoins votre raisonnement. Vous l'avez dit vous-même, une ouvreuse avait été licenciée l'année dernière. Madame Mercier n'ignorait pas les difficultés financières de l'établissement et savait très bien que son poste était menacé. Au quotidien, elle était la seule personne présente en permanence sur les lieux pour faire face aux resquilleurs. N'aurait-elle pas pu prendre d'elle-même l'initiative de condamner cette issue de secours
afin de limiter les pertes financières et de préserver ainsi son emploi. La complaisance aveugle engendre des amis, la franche vérité des ennemis. Chacun de vous aura reconnu la saine pensée du poète latin Terence. C'est pour cette raison ô combien humaine que ma cliente n'a pas répondu spontanément à vos interrogations, Monsieur le Président. Ce qu'elle va faire dès à présent, n'est-ce pas, Madame Mercier? Oui. Non mais comment ça, il est malade? Quel genre de maladie? Bon bah si c'est un rhume, bah, vous le mouchez et vous le couchez. Bah oui. Très bien, au revoir, maître. Bonjour. Bonjour. Et si vous voulez vous occuper de ça, hein? Message? Non, mais il y a un monsieur qui vous attend. Il n'avait pas rendez-vous, mais comme il a insisté. Bonjour. Bonjour, maître. Franck Verhoeven, médecin-chef de la clinique Sainte-Madeleine. Oui. Madame Détiot était hospitalisée chez nous lorsqu'elle est décédée. Ah oui. Bon, bah, si vous voulez bien me suivre. Hein. Oui, bonjour, je suis bien au commissariat du 4e. Je voudrais parler à Cédric Marteau, s'il vous plaît. Audrey Saducci. Merci. Théoriquement, je n'ai pas le droit de vous recevoir. Vous en avez conscience, j'imagine. J'en ai pas pour longtemps, maître. Je suis juste venu vous mettre en garde contre Marcel Détiot. Attendez, comment vous avez su que je défendais ses intérêts? Je ne sais pas, privé pour faire savoir à la clinique qu'il avait pris un avocat. Un des meilleurs, du barreau. C'est ce qui se dit à Paris. J'ai eu un long entretien avec Monsieur Détiot, mais je n'ai pas réussi à le ramener à la raison. Vous aurez peut-être plus de chance. Toute cette affaire est ridicule, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Monsieur Détiot était très affecté par la mort de sa femme. On ne meurt plus aujourd'hui d'une simple appendicectomie. Mais que voulez-vous? Le cœur a lâché, ça aurait pu arriver n'importe où. Malheureusement, c'est arrivé chez nous. Il prétend avoir assassiné sa femme par surdose de morphine. Le médecin qui a rédigé le certificat de décès formel, Madame Détiot est morte d'un arrêt cardiaque. Et pourquoi s'accuserait-il d'un crime qu'il n'a pas commis? Il ne vous aura pas échappé que M. Détiot souffre d'un trouble de la personnalité. Et croyez-moi, vous ne lui rendrez pas service en le confortant dans ses délires. Eh bien, je vous remercie pour vos conseils, docteur. Hein. Chacun son métier. Je suis avocat, pas psychiatre. Attention, s'il vous plaît. Laurent, c'est arrangé. Monsieur Shapira, nous sommes tout à fait disposés à croire que ce n'est pas vous qui avez donné l'ordre de condamner les issues de secours de votre cinéma. Cependant, en tant que directeur de cet établissement, vous ne pouvez pas être exonéré de toute responsabilité. Nous avons entendu plusieurs témoignages de jeunes du quartier certifiant avoir constaté que cette issue de secours est restée fermée pendant plusieurs semaines, avant le drame. Il était de votre responsabilité de gérant de le savoir et d'y remédier. C'est pas possible! Ce sont ces petits délinquants qui m'accusent? Enfin, c'est le monde à l'envers. Bon, c'est vrai, j'avais envisagé de faire condamner cette porte, puisque la police était incapable d'empêcher ces resquilleurs de pénétrer sans payer dans mon cinéma, dans lequel ils commettaient toutes sortes de déprédations, d'ailleurs. Mais voilà, pour d'évidentes raisons de sécurité, je ne l'ai pas fait, et je n'ai jamais donné l'ordre de fermer cette porte. La justice ferait mieux de s'intéresser à retrouver la trace du voyou qui fumait dans ma salle. Cela ne diminue en rien votre responsabilité dans les conséquences dramatiques de ce sinistre. Vous l'avez reconnu vous-même, votre cinéma était au bord de la faillite. Vous n'étiez pas trop mal assuré, on pourrait même penser que cet incendie arrange vos affaires. Mais attendez, vous allez quand même pas m'accuser d'avoir mis le feu à mon cinéma après avoir ordonné d'en bloquer les issues de secours! Il est vrai que reconnaître votre responsabilité dans le blocage de ces issues de secours vous innocenterait d'une possible accusation d'incendie criminel. Nous ne sommes pas aux États-Unis, maître. Il n'est pas question ici de marchander une accusation contre une autre. L'opportunité était tentante, monsieur le Président, mais on n'y prendra plus. T'es là? Je vais voir Franck Verhoeven sortir d'ici, c'est un client à toi? Non, mais la femme d'un de mes clients est morte dans sa clinique. Tu fais la partie civile maintenant, toi? Un peu compliqué. Mon client prétend avoir assassiné sa femme et la clinique affirme qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Bah, c'est original. Un type qui veut avoir un avocat pour l'aider à prouver sa culpabilité, c'est un dingue. Et peut-être. Je trouve ça quand même bizarre qu'un médecin-chef se déplace jusqu'ici pour une histoire aussi tordue. Il aurait pu se contenter d'un coup de fil. T'as raison. Allez, en fait, t'as pas vu Elisabeth? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux plus te passer d'elle ou quoi?
Monsieur De Thieu, maître Zelder, là, pareil. Bah, écoutez, j'ai réfléchi à votre affaire. Vous souhaitez vraiment savoir de quoi votre femme est morte. Je vous propose de nous constituer partie civile, en déposant une plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours. Attendez, je vous explique. Comme la police n'a pas l'air convaincue par vos aveux, le seul moyen de déclencher une enquête et d'avoir accès au dossier, c'est d'attaquer la clinique. Vous comprenez ? Oui, bonjour mademoiselle, je suis Gladys Dupré, avocate. J'aimerais parler à madame Drinis, s'il vous plaît. Ah, et vous savez à quelle heure elle va rentrer ? En maison de repos. D'accord, excusez-moi, mais j'aimerais être sûre qu'on parle bien de la même madame Drinis. Celle que je cherche a perdu sa fille sur la base nautique de Cergy. Je suis désolée. Vous pourriez me dire où est hospitalisée votre maman ? C'est vraiment très important, j'ai besoin de lui parler. D'accord, merci beaucoup. Ah. Vous savez que vous êtes désespérante. C'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Vous avez vu comme j'ai mis tout le monde dans ma poche ? C'est pour mon patron que ça m'embête un peu. Ce que vous voulez. Au tribunal, c'est un petit peu comme un restaurant. À la fin, il faut bien que quelqu'un paye l'addition. En général, je m'arrange pour que ce soit pas moi. Pas vous ? Quand même, j'ai des remords de l'avoir accusé comme ça. Parce qu'entre nous, c'est vrai, il ne m'a jamais demandé de fermer cette issue de secours. J'avais tellement peur d'être licenciée si le cinéma faisait faillite, vous comprenez ? Ben oui, mais c'est exactement ce qu'on a dit. Vous avez agi sous l'influence de votre employeur. Allez, oubliez tout ça. Et puis qu'est-ce qui vous dit que c'est pas lui qui a mis le feu à son cinéma pour toucher l'assurance, hein ? Non, je vous assure, il s'en tire très bien. Et maintenant que le cinéma a brûlé, je me retrouve au chômage, moi. Je pensais bien que, même si mon patron fait reconstruire le cinéma, il n'est pas prêt de me réembaucher, hein. Parce qu'à 50 ans, croyez-moi, c'est pas facile de retrouver du boulot. Surtout quand on a été caissière toute sa vie. Oh, cet incendie, c'était ma dernière séance. Pour la victime aussi, vous savez. Allez, madame Mercier. Soyez positive. Très sympa, votre collier. Allez, je vous laisse, j'ai un rendez-vous. Vous penserez à mes honoraires ? Alors, vous avez déposé une plainte avec constitution de partie civile pour le décès suspect de madame De Thieu à la clinique Sainte-Madeleine. Oui, monsieur le juge. Madame De Thieu était hospitalisée dans cette clinique pour une simple appendicite. J'ai ici le certificat de décès. La mort est attribuée à une crise cardiaque. Vous constaterez que le certificat a été livré par un médecin de la clinique dans laquelle la patiente est décédée. Je demande seulement une véritable autopsie indépendante avant l'inhumation du corps. Bon. Merci, monsieur le juge. Au revoir. T'as fait tous les courriers ? Non, mais il m'en reste deux. J'ai après-demain. Ouais. Rose ! Oui ? Vous avez vu ce qu'on a reçu au courrier ? Vous avez oublié d'envoyer un dossier à l'URSSAF. Résultat des courses, on a 10% de majoration. Je comprends pas. Vous comprenez pas ? Je veux bien que vous soyez amoureuse, mais ça ne doit pas vous empêcher de travailler. Vous voulez que je démissionne ou que je quitte Thomas ? À vous de voir. En tout cas, faut vous ressaisir. Mais attends, je rêve ou tu viens le moucher, là ? Eh ben, dis donc, ça promet les dimanches en famille, chez beau-papa. Vous savez, tout le monde veut me faire passer pour folle, mais je sais ce que je dis. Ma fille ne s'est pas suicidée. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça, madame Drinis ? Je le connais, celui qui a drogué ma fille et qui l'a balancée à la flotte. Vous connaissez son nom ? Michael Canyon, qui s'appelle. Il est américain. Michael Canyon. Il habitait notre immeuble jusqu'à la mort de ma fille. Il n'arrêtait pas de lui tourner autour. Après, il a déménagé comme par hasard. Enfin, déménager, c'est pas un crime, hein. Il a peut-être simplement voulu retourner vivre dans son pays. Mais vous avez d'autres raisons de le suspecter ? Je sais que c'est lui. C'est tout. Il avait des yeux de fou et des mains d'étrangleur. Bon, faudrait signer la lettre que vous m'avez demandé de taper si vous voulez que ça parte par le courrier de ce soir. C'est quoi ? Incident en compte pour les avocats échangistes ? Non, mieux que ça. Un titre relatant toutes les affaires judiciaires non élucidées.
Ah, vous cherchez du boulot? Écoutez ça. Michael Canyon, américain de naissance, s'est fait naturaliser français en 2002. Dans son pays, ce Californien de 46 ans a été suspecté d'attouchement sur mineur. Rien n'a été prouvé, mais Canyon a préféré l'exil au risque de poursuites judiciaires qui, dans son pays, aurait pu le conduire jusqu'à la chaise électrique. Eh ouais, France tarde d'accueil, hein. En arrivant en France, il a trouvé un emploi de palefrenier dans une ferme à Lachenay. C'est à moins de 5 km de l'endroit où vivait Lydie Tourniquet. Lydie Tourniquet? Ouais. Non, laissez tomber. Et pour la lettre, j'y mets de votre signature ou je... J'ai découvert un truc dingue. En fait, le succès de mon procès en correctionnel. Vous voulez une coupe? Vous étiez poursuivi pour racolage passif, c'est ça? Une chose qui risque pas de vous arriver. Je parle de votre moralité au-dessus de tout soupçon, bien sûr. Pas de votre physique. Moi, ce qui me déconcerte, c'est votre faculté de discernement. Non, parce que pour une femme, montrer ses jambes à Laurent, c'est un peu comme inviter un aveugle au cinéma. Bon, t'es libre ce soir? J'ai des trucs passionnants à te raconter, moi. Ah, c'est pas possible, on a prévu d'aller au bowling tous les deux. Et que veux-tu? J'ai une revanche à prendre, il en va de mon honneur de morale, tout de même. Mais si vous voulez vous joindre à nous, on pourra faire une partie à trois. Non, je suis désolée, je préfère la pétanque. Les boules sont plus petites, mais ça tient mieux dans la main. Ne pas prolonger la cuisson jusqu'à ébullition, l'albumine des œufs coagulerait et la crème risquerait de tourner. D'accord, et si la crème tourne... Si la crème tourne, versez de petites doses dans une bouteille et agitez jusqu'à épuisement. Eh bien, tout ça pour une crème anglaise. Oui, j'arrive! Oui, ça va, oh! T'as oublié tes clés? Oui, j'ai oublié mes clés. Regarde ce que je vous prépare. J'en ai fait le programme en cuisine depuis qu'on habite ensemble. Raconte ça à ta mère, elle croira pas. Bon, qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? C'est mon tablier, il me grossit. C'est parce que c'est ma fiancée que tu lui parles comme ça? Tu veux lui faire payer quoi? Ah, parce que c'est ta fiancée maintenant. Non, c'est pas ta fiancée qui me dérange. C'est ma secrétaire qui nous a fait perdre 5000 euros par étourderie. Hein? Crois-moi. Crois-moi, j'en ai fait virer pour moins que ça, chez Zelda Cavani. Tu lui as même pas laissé le temps de se renseigner et t'expliquer l'erreur vient de l'URSSAF. Voilà, elle a bien envoyé le courrier à temps, mais il s'est perdu entre les différents services de l'administration. Elle a tout arrangé, ils sont excusés. Qu'est-ce que tu veux de plus? De toute façon, elle avait pas la tête à son boulot. Depuis qu'elle sort avec moi, c'est ça? Mais ça t'emmerde à ce point-là que je sorte avec une fille noire? Attends, là je te permets pas, mon vieux. Hein? J'ai jamais eu de problème avec ça. Là, c'est moi qui l'ai engagé. Pour respecter les quotas, ouais, comme pour les handicapés. C'est ce qui me dérange. C'est pas que tu sortes avec une noire. C'est que tu sortes avec une secrétaire sans ambition. Hein? T'es ma secrétaire. Ouais, mais c'est bien ce que je disais, ouais. T'as rien contre les noirs, mais du moment qu'ils restent à leur place, hein. On peut à la rigueur coucher avec, mais faut surtout pas aller plus loin. Bah, ta crème anglaise, tu peux la bouffer tout seul. De toute façon, elle est ratée. On va peut-être qu'à te prendre une gouvernante pour faire la cuisine. Hein, noire, de préférence, pour te donner bonne conscience. Petit con, hein. J'en ai marre. Tu te rends compte? Je passe des plombes à faire des photocopies pour Gladys et cette salope les fout direct à la poubelle devant moi. C'est de la cruauté mentale, ça, non? Elle veut quoi, me pousser au suicide? Comme Claire? T'exagères pas un peu, là? Ouais, évidemment, toi, depuis que tu tapes le fils du patron, t'as plus genre de problème. Tu crois ça? Bah ouais. Bah vas-y, raconte. Bah en fait, avec... Bonjour. Bonjour. Au revoir, merci. Bonjour, Rose. Oula, il a la grosse patate aujourd'hui. Alors, cette partie de bowling? C'est pas encore gagné, mais j'ai marqué quelques points. Vous espérez quoi en draguant Laurent? Vous mettre un associé dans la poche? Vous visez plus haut, c'est ça? Non, mais si c'est juste pour vous envoyer en l'air une ou deux fois, je vous conseille plutôt Robert. Pourquoi c'est un meilleur coup? Vous avez fait des essais comparatifs? Bah, disons qu'il aime les femmes, lui, au moins. Et puis, il est pas trop difficile, ça vous laisse une chance. Parce qu'avec Laurent, c'est pas gagné, hein. Vous n'avez pas compris qu'il est homosexuel? Oui, depuis quand? Depuis qu'il a couché avec vous? Je viens de recevoir les résultats de l'autopsie demandée par Maître Zelder au nom de son client concernant le décès de son épouse. Et je vous ai réunis pour vous en faire part. Les résultats sont formels.
Madame de Thieu n'est pas morte d'une crise cardiaque, comme indiqué sur son certificat de décès, mais d'une infection foudroyante, contractée lors de son appendicectomie par un staphylocoque particulièrement virulent. Autrement dit, Madame de Thieu a succombé à une maladie nosocomiale. À quoi tu joues exactement ? À rien pour l'instant. T'avais quelque chose d'amusant à proposer ? Je parle de Claire, tu le sais très bien. Non seulement tu perds ton temps avec cette histoire, mais j'ai appris que tu avais chargé Audrey de faire des recherches là-dessus, sur son temps de travail. Bah au moins pendant ce temps-là, elle passe pas son temps à bavasser avec ses copines au téléphone. Hein, en l'occupant intelligemment, finalement, je fais gagner de l'argent au cabinet. Et toi, t'as rien d'autre à foutre. Non, vraiment, tu me déçois, Gladys. Tu me déçois ? J'ai l'impression d'entendre un prof. Je suis pas Emmanuel, moi, je suis pas ton élève. Ne pousse pas à bout, Gladys. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me donner une fessée ? Merci, au revoir. Les promesses, toujours des promesses. Pour préserver la réputation de votre clinique, vous avez fait émettre un faux certificat de décès par un de vos médecins ? Notre clinique est prête à assumer toutes ses responsabilités financières. Responsabilité bien tardive, docteur. Je vous rappelle qu'au-delà d'éventuelles poursuites au civil, ce faux certificat de décès représente un délit très grave. Un délit pour lequel le parquet ne va pas manquer de requérir votre mise en examen supplétive. Non seulement cette autopsie vous innocente définitivement, mais je me fais fort de vous obtenir des dommages d'intérêt substantiels. Finalement, vous avez bien fait de vous entêter, monsieur de Thieu. Et vous êtes sûr que cette autopsie est fiable à 100%? Vous avez bien entendu le juge. Les résultats ne font aucun doute. Mais parce qu'il paraît que même pour les tests génétiques, il y a une marge d'erreur. Alors là, bon, admettons, ma femme n'est pas morte d'une surdose de morphine, mais j'ai quand même essayé de la tuer. Elle pourrait pas être mise en examen pour tentative de meurtre. Mais on pourrait peut-être faire appel. Laurent ! Laurent ! Je te cherchais. Ouais. Gladys m'a dit que t'étais homo, c'est vrai ? Ça va ? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je suis. Ça va, c'est pas la fin du monde, non plus. Faut pas toujours rester copine, non ? Là, je t'invite à dîner ce soir, ça te va ? D'accord, mais c'est moi qui t'invite. C'est contraire à tous mes principes, mais puisqu'il y aura pas de sexe entre nous. Dans ces conditions. Avec moi, c'est jamais l'homme qui dit ça. C'est peut-être parce que je suis pas tout à fait rien, mais... C'est pas l'impression que tu m'as donnée cette nuit. Hein? Tu te souviens vraiment de rien ? Je vais te rafraîchir la mémoire.